Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une énorme exclue, une révélation, la salle du boss final dans la nouvelle map zombie. Donc pour tous ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous invite à quitter la vidéo dès à présent. Vous êtes prévenus, vous ne pourrez pas vous plaindre. Pour tous les autres, restez avec nous. Sachez que cette info nous vient du YouTuber The Gaming Revolution. Bien évidemment, comme à chaque fois que je cite un contenu qui vient d'un autre YouTuber, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous invite également à visiter sa chaîne qui est au passage rempli de très très bonnes informations. Donc vous allez à présent pouvoir avoir accès à cette révélation. Donc qu'est-ce qui nous fait penser qu'il s'agit de la salle du boss final? Tout simplement par rapport à son architecture, à la structure de ses murs, des grandes arches qui la contournent, et aussi par rapport au fait qu'il y a quelques jours déjà a été leakée une info selon laquelle le boss final serait le gros vert apothicon géant. Alors vous allez pouvoir l'apercevoir, et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il s'agit bien de cette salle. Donc je vous laisserai en apprécier l'architecture, les différents espaces, la façon dont les murs et les poutres sont disposés. Vous allez voir qu'il s'agit d'une salle assez complexe qui annonce un combat final très très difficile, très compliqué. Et bien évidemment, c'est l'occasion pour moi au passage de vous dire qu'effectivement, nous n'avons a priori pas vu, je dirais à peu près encore les 40% restants de la map. Je pense qu'il y a encore d'autres endroits où nous pouvons être téléportés. Donc je sais par exemple qu'il y a une zone parallèle dans laquelle nous pouvons être téléportés pour améliorer les grenades hargnies. Donc c'est vraiment plusieurs petites choses comme ça qui me poussent à croire que l'on n'a pas encore visiter, je vous dirais encore 40% de cette nouvelle map zombie. Donc ne vous fiez pas au fait que tout au long de ce gameplay, vous allez voir le gros apothicon géant tourner autour de la salle. Il s'agit bien évidemment d'un hors-map, puisque la personne qui a pu se rendre dans cette salle s'y est rendue par le biais du mode studio, en ayant tout simplement dérapé dans cette zone malencontreusement lors d'un TP. Donc il n'y est pas resté, bien évidemment, mais son personnage a eu le temps d'atterrir sur cette zone, ce qui lui a permis de pouvoir la visiter par la suite en mode studio. Donc vous pourrez apprécier la très grande salle centrale avec une immense hauteur sous plafond, des très grandes colonnes centrales qui nous rappellent un petit peu la salle du boss final de Zetsubou no Shima. Avec le caractère, le design un petit peu à l'ancienne des pierres de Der Eisendrache. Donc on a vraiment là encore jusque dans la salle du boss final un gros mélange de style et d'architecture. Beaucoup beaucoup également de signes en rapport avec l'apothicon. Vous verrez des statues et d'autres représentations des apothicons dans cette salle. Voilà pour le moment les seules informations que je possède. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like. Un gros like également sur la chaîne de l'auteur. Un petit commentaire pour me faire part de votre point de vue, ça m'intéresse. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très rapidement pour d'autres infos et d'autres révélations. Ciao tout le monde !